Village Nanoub, donc part d'un principe, enfin d'un concept réalisé par Patrick Vivray dans l'idée de nous allons nous faire du bien. Donc en fait, on a organisé le Village Nanoub pour la 7e année consécutive autour du concept de développement durable, économie sociale et solidaire et du bien-être, où les associations partenaires de la MJC ou autres viennent proposer des activités autour de ces idées-là, autour de ces valeurs-là. Alors c'est une association qui collecte des bouchons, ça s'appelle les bouchons d'amour, et c'est pour les handicapés, pour que les handicapés soient le plus autonomes possible. Nous animons actuellement un atelier qui promeut les gestes éco-responsables par le biais de simulateurs d'énergie électrique. Donc voilà, avec les bouteilles de plastique, on fabrique des décorations avec. On tient le stand de cosmétiques avec exclusivement des produits naturels, donc des huiles essentielles et aussi des produits alimentaires que vous trouvez dans votre cuisine. Le principal message que l'on souhaite transmettre aux citoyens, c'est acteurs au quotidien de notre planète, la protection de notre planète. Le stand cosmétique a été l'idée vient de la MJC de Corbeil pour justement promouvoir le fait qu'on peut faire des cosmétiques avec ce qu'on a à la maison. Si les gens s'engageaient davantage à ne pas les jeter dans la poubelle jaune, ces bouchons, mais à nous les confier, ce serait formidable. Alors, le village en deux mots, je dirais convivialité, parce que c'est un lieu de partage. Et mon deuxième mot, rencontre, où les gens ont pu rencontrer d'autres associations, découvrir des associations sur le territoire de Corbeil et voir ce que font ces associations. Et c'est super intéressant. Moi, je dirais vivre ensemble, déjà. Voilà, c'est vraiment... grosse famille, ça, c'est des origines, c'est des personnes qui se rencontrent. Et mon deuxième mot, je dirais plaisir. Voilà, gros plaisir.